Paul. J'ai intégré récemment le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines suite à la réussite du concours. Auparavant, j'ai passé 10 ans dans le domaine de la performance énergétique pour les sites industriels. Intégrer le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines permet d'accéder à des métiers variés, à la fois au ministère, en région ou en département. Par exemple, il est possible de travailler au service de la radioprotection, des installations nucléaires, ou encore du développement économique, du suivi des filières stratégiques, de la métrologie, des énergies, du contrôle des véhicules ou encore du numérique. J'exerce actuellement mon métier au sein du ministère de l'Environnement. J'appuie les inspecteurs des installations classées. Ces inspecteurs suivent et contrôlent au quotidien les sites industriels à risque, à la fois pour l'environnement et pour les populations. C'est pour moi des métiers passionnants et enrichissants. Ces missions sont porteuses de valeurs et de sens, puisqu'elles contribuent aux défis d'aujourd'hui et de demain. Ces défis sont par exemple la souveraineté industrielle, la transition écologique et énergétique, ou encore l'adaptation au changement climatique. Si vous êtes motivé par ces défis, alors candidatez au concours des ingénieurs de l'industrie et des mines. De nombreux postes sont ouverts, à la fois en métropole et en outre-mer. Une belle carrière s'offre à vous.